a mis dans un monde qui est magnifique, qui est beau, parce qu'il y a une diversité des couleurs, des paysages, des formes, qui est disproportionnée, qui n'est pas un travail de fonctionnaire, qui se serait limité à faire quelque chose de fonctionnel. Mais Dieu nous a créés, nous a mis dans un univers qui est disproportionnellement harmonieux pour qu'on puisse s'y sentir aimé et qu'on puisse faire l'expérience de son amour. Et qu'est-ce qui fait la beauté? C'est cette harmonie des couleurs ensemble. Toute la création a un langage que les scientifiques cherchent à percer, qui est un langage qui parle directement à notre âme. Quand vous allez voir un beau paysage, c'est quelque chose qui vous nourrit, qui nourrit la beauté, nourrit notre âme. Cette harmonie qu'il y a dans la création entre les couleurs, entre les formes, Picot a voulu donner à ce style, à ce bâtiment, à reproduire cette harmonie. Pour ça, vous avez autant d'espace ouvert sur l'extérieur. Pour ça, vous avez toute cette lumière qui rentre. Et on pourrait dire beaucoup de choses sur la beauté. Le principal, c'est que tout ça a été fait pour que nous, cet après-midi, pour que moi avec vous, on puisse se sentir rejoint par l'amour de Dieu. On puisse se sentir aimé. Thank you.